Avez-vous le soir de ce matin Eliou Gad Massoud Ben Yamna, Yoshua Ben Talia et Rachel. Dimanche Parashat Vaigash, Rabbi Uda et Rabbi Uzi arû be Kfar Rabbi Uda et Rabbi Uzi élèves de Rabbi Shimon Bayochai, Ils étaient dans un village au nord qui s'appelait Kfar Hanen. là La Adavu Be'ushpizayou, ils étaient assis dans la maison dans le, la, 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 la la maison où ils étaient invités. עתה חד ברנש וחד מתולה דחמרה קמי, וניקל קא, סורנן, אלוה קום אין שארג' סורלן. ואל בביתה, סת פרסונו סי ערון חד נוסת מזון. אל דאחי, אמר רבי יהודה לרבי יוסי, רבי יהודה אדיר רבי יוסי, הטננן דדוד מלכה והמתנמנם בכסוס כבשנתי זה עיר. דוד המלך, יפלט דוד המלך. דוד המלך, דורמי קום לשובל. מה זה קום לשובל? מה זה דורמי כסוס? Bien. Il dit ici que David Améler, il dormait peu. Il dormait peu. Parce que le cheval, il dort peu. C'est pour ça qu'Adam Arichon, on a expliqué dans un de nos cours, si vous vous rappelez, Adam Arichon, quand il a donné le nom à tous les animaux, le cheval, il a nommé Sous. Sous, ça vient du mot Sous. Parce que le cheval est toujours en mouvement, même quand il dort. Tu vas voir un cheval quand il dort? Il, il dort, il ouvre les yeux. Il dort, il ouvre les yeux. Et il bouge, il bouge, il bouge. Il bouge. Il, quoi, toujours, toujours il bouge. Il est en train de bouger. Okay? David Amer dormait comme ça, peu. Il dormait peu, comme ça. Alors, et l'agmara dit, s'il dormait peu, alors, il, normalement, il devrait se... L'agmara, le Zohar, il dit, s'il dormait peu, normalement, il devrait se réveiller déjà avant la... avant le minuit même. Avant minuit. Maintenant, et... Ils disent le Rabbi Uda, le Rabbi ici sont en train de dire que quand la nuit rentrait, David amen le chiativ, il s'assoyait avec tout le grand de son royaume, il faisait du jugement, il étudiait la Torah, il dormait un peu at lelia jusqu'à jusqu'à minuit, okay? et à minuit il se réveillait, et il étudiait et il composait le téléphone. entre temps qu'ils sont en train de parler à, Rabbi Huda, à Rabbi aussi, Amar Aou Barnach, cet homme qui est venu aussi de dehors et il a, il a entendu la conversation, il leur a dit, ce que vous dites c'est bien, mais ce n'est pas exactement ça. Il a dit oui, pourquoi Il dit je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on dit David Melech Israel Chaïve Kayam. Pourquoi on dit David Melech Israel Cha Vekayam? Pourquoi on dit pas Shlomo Melech Israel Chaïve Kayam? Pourquoi on dit pas Moshe Rabenu Chaïve Kayam? Pourquoi on dit David Melech Israel Chaïve Kayam? Lama, d'où s'est sortie cette phrase? Pourquoi on dit le dit? Alors il est en train de leur expliquer, il est en train de leur dire Vous savez que quand une personne dort la nuit, il goûte un soixantième de la mort. Un soixantième de la mort. Et tu sais quand ça vient C'est quand tu commences à t'endormir, à la soixantième respiration, ton âme te quitte. Ça veut dire toi, tu es en train de dormir, tu respires normal. Tu ne vas pas commencer à compter tes respirations, là. Hein Ce n'est pas que les gens qui font l'apnée. Les gens qui font l'apnée, ils ont une machine qui calcule leur respiration, où ils arrêtent de respirer. Non, non, tu dors. À la soixantième respiration, quand tu dors normal, tah, ton âme elle quitte. David Amel connaissait ce secret. Qu'est-ce qu'il faisait David Il calculait ses respirations. Ils sont il ils sont dormés et il calculait 59 respirations, à la soixantième, il se réveillait. Et ils sont dormés encore. 59 respirations, soixantième, il se réveillait. Pourquoi Pour ne pas goûter le goût de la mort. Puisque toute sa vie, c'était comme ça. C'est ça, Shnatasus. Le cheval aussi, il dort aussi comme ça. 60 respirations, à la 60 soixantième, il se réveille. Alors, il est toujours en mouvement, il est toujours... David Amelech fait la même chose. Alors, on dit, David Amelech Israël, parce qu'il est toujours vivant. Il n'a jamais goûté le goût de la mort, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Pourquoi il était toujours réveillé Et on dit que David Amelech, il portait la Nechama de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov Avinu, pendant 14 ans, il n'a pas mis le. La, le il il s'est pas mis dans un lit. La première fois qu'il a dormi après 14 ans, c'était à Beth-El, quand il a vu l'échelle. Et ça, Hachem a fait exprès qu'il s'endort. Et qu'est-ce qu'il dit le matin Vanochi loyadati. je ne savais pas qu'il y a ici la Shekhina. Et Rachi, qu'est-ce qu'il commente, yadati lo loyashanti. Si j'aurais su qu'il y a ici la Shekhina, je jamais aurais dormi ici. Mais c'est Mina qui voulait qu'il dort, pour qu'Hachem lui parle. Qu'Hachem lui parle. Alors tu vois. Il y en a qui pensent plus qu'ils dort c'est mieux non au contraire plus que tu dors plus que tu goûtes le goût de la mort le tsadikim ils essayent de dormir moins pour ne pas justement avoir ce goût ken okay? alors toute façon une fois que tu dors selon certaines opinions 5 minutes ou une fois que tu dors selon certaines opinions une demi-heure ou selon certaines opinions deux heures deux heures c'est considéré comme tu as dormi Nafkamina le soir tu rentres au lit et tu dis, je vais me reposer. Tu te reposais une demi-heure. Tu te réveilles, tu dis, maintenant je suis frais, ça y est, je vais étudier la Torah. Une seconde, tu as dormi dans le lit, il faisait déjà nuit d'or. C'était 7 heures du soir. Tu es parti 7 h demie. tu te réveillais, tu es bien dit, maintenant je suis prêt à étudier jusqu'à minuit. Une seconde. Le fait que tu as dormi, tu as goûté le goût de la mort, le birkata Torah, la bracha d'étude de la Torah, elle s'est interrompue là tu as besoin de refaire birkat ha torah pas birkat ha shachar les trois bénédictions de la torah ba'ochat ha shama shekedasham stavu zivanu al divrei torah va'aravna ha shama lokenu et divrei toratkha ve'ba'ochat ha ta torah e ba'ochat ha shama shebachar banu mikol ha'amim ha trois bénédictions quand tu dors dans ton lit la nuit même pour une demi-heure et tu te réveilles tu te réveilles après pour étudier tu as besoin de refaire birkat ha torah Tant que tu restes réveillé la nuit, tu peux compter sur le bruit à Torah du matin. Mais dès que tu te mets dans un lit et il faisait nuit, ça, il y a une discussion sur l'après-midi. La sur l'après-midi, on ne fait pas. Mais sur la nuit, oui. Alors David Hamelch ne voulait pas avoir ça. Il voulait pas avoir l'interruption de la Torah. Il ne voulait pas goûter le goût de la mort. Alors qu'est-ce qu'il faisait Il restait toujours réveillé. C'est pour ça qu'on dit David Hamelch Israël, Chai ve kaya. Baruch Adonai le Amen ve amen.